Le chrétien a deux paramètres pour ne pas devenir tiède, la mémoire et l'espoir. C'est par ces mots que le pape François a invité les chrétiens à ne pas perdre le courage et l'enthousiasme du premier amour, de la première rencontre avec Jésus qui ne déçoit jamais. Célébrant la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a souligné que même dans les moments les plus sombres, le chrétien est appelé à être un phare dans la nuit, sans jamais être abattu. La memoria è tanto importante per ricordare la grazia ricevuta. La mémoire est très importante pour se souvenir de la grâce que nous avons reçue. Car si nous chassons cet enthousiasme qui est dû à la mémoire du premier amour, l'enthousiasme du premier amour, alors les chrétiens courent un très grand risque, la tiédeur. Ils risquent de devenir des chrétiens tièdes. Oui, ils sont là, ils restent immobiles. Bien sûr, ils sont chrétiens, mais ils ne se souviennent plus du premier amour. Et donc, l'enthousiasme aussi. Pire, ils ont perdu la patience. Ils ne tolèrent plus les choses de la vie avec le sentiment de l'amour de Jésus. Cette tolérance, se porter sur les épaules les difficultés. Les chrétiens tièdes, les pauvres, courent un très grave danger.